Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une petite vidéo haul coloriage dessin. Voilà, cela fait longtemps que je n'en ai pas fait et du coup là j'ai du matériel et de nouveaux livres donc écoutez, autant vous le montrer. Voilà, alors on va commencer par le dessin. Donc, je me suis acheté un petit kit de dessin. Hop. Vous montrer, j'ai acheté ça sur Amazon pour 9,99 €. Donc il y avait une troisième gomme qui est là, hein. Comme vous pouvez voir, je m'en sers. Dégueulasse, mais bon, au moins vous savez que je m'en sers. Voilà, hop, et la boîte. Donc dedans, il y a bah, du coup, vous voyez, c'est quoi, hein, la marque, hein, comme ça, vous pourrez regarder sur Amazon. Vous avez tous les différents crayons à papier, différentes mines, du plus sec au plus gras. Voilà. Donc, ils se présentent comme ça. Ils sont déjà pré-taillés dans la boîte. Par contre, hors boîte, ils sont pas pré-taillés. Oula, je vais y arriver. Pré-taillés. Vous avez bien sûr le plus gros qui peut y avoir, je crois, c'est du 10B. Vous avez le 10 et le 12B. Donc, vous voyez là, l'épaisseur. Donc, bien sûr, ça, pour l'instant, je ne m'en sers pas. Donc, ils sont pas taillés. Et vu que pour l'instant, je réapprends à dessiner, je ne me sers que sous conseil d'un pro. Du HB. Voilà. Va falloir que je pense à les remettre dans l'ordre parce qu'ils sont un peu dans désordre dans la boîte en fait. Ils étaient dans le désordre dès que je les ai reçus. Bah, attendez, je vais le faire avec vous. Comme ça. Hop. Mais voyez, vous avez. C'est vraiment la base. Pour moi, je trouve que c'est la base pour pouvoir commencer à dessiner en fait. Alors, on va faire ça. Hein. Écoutez. Alors, c'est deux H qu'il me faut. F, bon. H. B, non. Deux H, voilà. Hop. Donc, ouais, je me remets au dessin. Ça fait 10 ans que j'ai pas utilisé, que j'ai pas dessiné ou autre. Donc, bah écoutez, on réapprend tout doucement. On réapprend tout doucement. Pour l'instant, c'est plus des dessins kawaii que je fais que enfin, des petits trucs mignons, assez simples à faire, que des trucs compliqués, on va dire. Je crois que c'est ces deux-là. HB. Non, normalement, après, c'est le B. Ouais, et après, ça monte graduellement. Donc. Hop. B. De B. Trois B. Quatre B. Cinq B. Six, sept et huit. C'est ça. Et après, il y a le 10 et le 12 qui sont à côté. Voilà. Donc, ouais, petite boîte de crayons. Je vais vous montrer vite fait des petits dessins que j'ai faits. Voilà, vous allez voir mes petits trucs horribles. Hop. Donc, voilà. Vous voyez, je m'exerce. Je fais un peu de tout. Hop, voilà, et petit dernier en date, qui est le petit panda. Donc oui, pour l'instant, je regarde des dessins sur Internet et je recopie. Certains ne sont pas, enfin, j'essaye pas de recopier et d'autres j'essaye, donc ça alterne. Et puis voilà. Donc voilà, petit achat sur Amazon. Pour 9,99 €, donc c'est très très bien. Hein.
je m'amuserai pas à prendre plus cher pour l'instant parce que ben pour la bonne et simple raison que je ne suis pas encore totalement à fond dedans, hein, parce que bah, je fais du dessin, je fais des toiles, je fais du coloriage. Donc voilà, ça c'est le petit kit que j'ai eu pour 9,90€ sur Amazon. Ensuite, je me suis acheté le même jour les Faber-Castell Pitt. Donc c'est des crayons pastel, voilà. Donc je me suis pris la boîte de 24. Voilà, je me suis dit que j'avais envie d'essayer de faire les fonds de mes coloriages. Et je me suis dit, allez, on va essayer de les faire à la pastel, au crayon pastel. Donc, ben, why not? Voilà. Pour l'instant, je m'en suis servi, mais là, sur dans le papier dans lequel je m'en suis servi, bah, il ne prenait pas trop. Donc, du coup, j'essaierai sur un autre. Mais du coup, voilà, pour 30 et quelques, 30 euros et quelques. Sur Amazon, pareil, hein, je les ai pris. Bah, très, très contente de mon achat. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne, parce que je les ai fait vite fait. Oh voilà. La fille qui est un peu pas... Donc là, ce sont les pastels secs. Et là, bah, là vous avez les différentes tailles des crayons à papier que je m'étais acheté pour le dessin. Donc voilà les couleurs que vous avez dans la boîte de 24. Donc non, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Écoutez, je suis contente. Après, voilà, hein, vu que je me remets au dessin tout doucement, ben, fatalement. J'ai Choupinette, ma meilleure amie, qui m'a offert la boîte collector des Chromaflow. Je crois que c'est des éditions limitées. Donc, pareil, très très contente. Comme vous pouvez le voir, les crayons descendent. Hein. Oui, je m'en suis servie. Je m'en suis servi. Je m'en suis servi dans le même coloriage que les crayons pastel, d'où le je sais que le papier dans celui-là. Hop, voilà, c'est dans celui-là que j'ai fait. Où j'ai essayé. Ici dans. Ah, hop là. Voilà, c'est dans celui-là. Hop là. Donc là, pratiquement tous les crayons de couleur, je crois, à part peut-être 2-3 crayons où c'était d'autres Derwent. Mais sinon, tout le coloriage est au Derwent. Et il y a juste là, l'herbe que vous voyez, avec l'effet là, que c'est au crayon pastel. De toute façon, c'est simple, je n'ai pas encore mis la laque. J'ai le doigt vert. Donc, écoutez, voilà, très très bon crayon de couleur. Extrêmement bien, très très bon. Je vais en faire 2-3 avec vous sur une feuille pour vous montrer la qualité. Mais ouais, non, très très bon crayon. C'est, je confirme. Je pousse ça là-bas. Attendez, on va reprendre la feuille là. Hop là. Et ben, et voilà. Bon, celui-là, bon, vous pouvez regarder, je m'en fiche. C'est des tests. Voilà, toutes les couleurs. Donc le 24, fatalement, c'est le blanc. Hein. J'ai colorié, hein, mais c'est blanc, donc ça se voit pas. Mais non, très très bon, très bonne pigmentation. Très bon. Je trouve qu'il y a de quoi faire, parce qu'il y en a 24. Et bah ouais, il y a 3 jaunes, orange, rouge, des roses, violet, bleu, vert, il y a même une transition de vert, donc ça c'est plutôt pas mal. Celui-là il peut aller dans le bleu et dans le vert, donc ça c'est cool. Vous avez 3 verts qui peuvent être utiles. Après, ça sera plus du style ces deux-là ensemble, et parce que celui-là pour faire le dégradé c'est
pas très très ouf, mais j'arrive à m'en servir. Vous avez trois marrons différents. Par contre, il y a un gris et un... Bon, un noir, ça oui, mais il n'y a qu'un seul gris. Donc, c'est ça que j'avais utilisé. C'était d'eau de gris de mes eaux de Derwent pour pouvoir faire mes dégradés dans les rochers. Mais voilà, sinon, manque... Et s'ils font une plus grande collection, ça serait bien. Pour au moins rajouter un ou deux gris, des marrons un peu plus... parce que là, bah, vous pouvez voir que les trois marrons ensemble, pour des dégradés, c'est pas folichon, folichon. Mais voilà, moi je sais qu'avec mes hôtes d'Erwan, je peux facilement faire des choses, quoi. Donc voilà, mais très très bonne qualité. Sincèrement, un avis. Et Choupinette m'a aussi offert... de mon illustrateur préféré, de mon illustrateur chouchou de tous les temps, Le Monde Secret de Kirby Rosan. Et j'ai déjà fait un coloriage que j'ai fini en live, parce que du coup, bah, je fais les coloriages en live. Hein. Voilà. J'ai fait celui-là. Et oui, je mets une feuille de sopalin pour éviter que la couleur se mette sur la page d'à côté. Mais voilà. Donc là, j'ai utilisé par contre dans celui-là les autres Derwent, hein, que ce soit les Procolor, les Light Fast, les Color Soft, j'ai tout utilisé. Donc voilà. Voilà. Mais ouais, il est magnifique. Il est juste sublime, quoi. En plus, moi qui adore les dragons. Oh! Par contre, celui-là, j'avoue, je vais le faire vers la fin, hein, parce que bah, j'ai pas envie de l'abîmer. Comme celui-là. Comme celui-là et celui-là. Dragon des mers, on va attendre. Mais ouais, non, il est magnifique. C'est un pur bonheur. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai maintenant le Mythomorphia et celui-là. Donc peut-être essayer de faire... d'allonger ma collection. Voilà. Puisque dans ceux-là, je ne les fais pas dans l'ordre. Donc je peux... Je peux me permettre, pourquoi c'est tout flou? Voilà. Je peux me permettre d'en avoir plusieurs de la même, du même éditeur et illustrateur, pardon, et pouvoir m'amuser. Mais voilà mes petits achats au niveau coloriage. Donc, fatalement, ça, je connais le prix. Ça, je connais pas. Ça, enfin, après, je connais pas, je crois que c'est écrit derrière. Voilà, le prix il est là, c'est 10,90 €. Après, c'est comme dans tous les Kirby Rosan, en fonction. Là, c'est Marabout, donc oui, c'est 10,90 €. Ça, je ne connais pas par contre, parce que c'est Choupinette qui me les a offert. Et celui-là, je connais, c'est 10 €, 9,80 €. Ouais, 10 euros, on va dire, hein, pour 10 centimes. Donc, ouais, voilà. Voilà le petit haul coloriage et dessin maintenant, du coup. Vous avez vu un peu. Vous venez de voir que je reprends. Alors oui, pour les crayons pastel, du coup, je vais vous montrer. Bon, on se moque pas, hein, mais ça se voit que ça faisait très longtemps que j'avais pas colorié, que j'avais pas dessiné de paysage, hein. Donc voilà, j'ai fait ça vite fait, voilà, hein. Et en gros, j'ai testé les pastels dessus, qui sont très très bien. J'avoue, c'est très 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 bien. Là, c'est juste appliqué comme ça. Je ne sais pas si... Bah, attendez, je vais faire un test avec vous. Hop. Parce que je prends ça pour estomper. Je vais essayer avec vous. Ah, si, ça le fait. Hop. Voilà. Ah, si ça fonctionne bien. Ça fonctionne même très très bien. Donc ouais, vous voyez, c'est
Et d'ailleurs, je me dis que ça intensifie plus les couleurs de les estompes. Et hop, là aussi, là aussi. Donc ouais, vous voyez, je le fais avec vous, comme ça au moins vous pouvez voir ce que ça fait quand on estompe du crayon pastel. Hein. Mais ouais, non, plutôt pas mal. J'avais pas pensé à l'estomper puisque je voulais juste voir ce que ça faisait en appliquant comme ça. Et là, du coup, j'estompe. Et j'avoue que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ouais. J'aime bien. Non, j'avoue, j'aime bien. Je suis satisfaite. Je suis comblée. Je suis comblée. Donc ouais, non, c'est plutôt pas mal. Ah, j'avoue, estomper sur la vidéo, ça fait beaucoup mieux. On voit la différence entre estomper et pas estomper. Hein. Je sais qu'il faudra que j'estompe à chaque fois. Mais voilà, du coup, c'est très très bien. Très 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 bien. Donc ça, pour ceux qui se demandent où j'achète ça, c'est à Action. Et en fait, vous avez un côté de feuille qui est assez granuleux et l'autre qui est côté lisse, en fait. Tout simplement. Et il y a 20 feuilles dedans. Voilà. C'est tout simple. Donc voilà, bon bah écoutez, je ne vais pas vous embêter plus. Ça m'a fait du bien de refaire une vidéo coloriage, j'avoue. Ça faisait très très longtemps. Oh, très 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 longtemps. C'était encore flou. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Ah oui, j'allais oublier, mais dans la boîte des Faber-Castell, il y avait le petit fascicule hein, qui explique comment, enfin voilà, quel matériel vous pouvez avoir, les différentes boîtes. Voilà, et vous avez le nuancier. Voilà. Donc voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et puis je vous dis à très bientôt. Peut-être que pour le prochain coloriage que je ferai en live, je le mettrai sur YouTube aussi. Je partagerai sur YouTube. Après, il faut voir parce que des fois, c'est vrai que il y a certains petits langages sur le live que YouTube n'accepte pas et que du coup, je tenterai pas le diable à le mettre sur YouTube, hein. Mais voilà, au cas où, si vous voulez me voir colorier ou quoi, vous avez mon Twitch. Donc, normalement, vous l'avez en barre d'infos, le lien. Et puis, voilà, écoutez, moi, je vous fais de gros, gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!